comme dirait Christophe May. Ah bah, en plus il pleut. Attends, il y a un truc là. J'ai cru voir un truc. Bon bah. Ah si, un truc. Est-ce que c'est le même flyer? Harvest Bar. C'est toujours le même. C'est toujours le même flyer en fait. Il faut une clé pour pouvoir accéder à l'appartement. Non, ça ne marche pas. Bon bah. Police, menottes, prison. Oui, donc j'appelle le slider. Et c'est plutôt cool cette histoire là. Ça prend du. Ça prend une ampleur intéressante. Après c'est beaucoup d'aller-retour hein, mais c'est une enquête de police après tout. Évidemment, personne n'a mené l'enquête sur les robots qui sont devenus fous. Alors, dans la salle des archives. Non, non. On s'en fout. C'est le bureau de qui, ça? De personne. Ça, ça doit être le mien. Je vais sauvegarder du coup parce que ça fait un petit moment. On peut acheter des indices. Ouais. Et me voilà dans le bureau de Den. Tatalin. Magie. La secte des éveillés. Ok. Message griffonné. Alors, la secte des éveillés. Tous les agents ont pour mission d'intercepter les terroristes faisant appeler les éveillés. Cette secte véhicule des croyances ésotériques non conformes et des idées subversives anti-gouvernementales. Ils effectuent des missions terroristes dans le but de déstabiliser l'opinion. D'accord. Et le message griffonné. Derrière le tigre se dissimule la vérité. Et le tigre est en toi. En toi! Hop, hop. Hop. J'ai pas d'octogone. Le vieux parchemin ne me sert plus. Eh, voilà, la clé de l'appartement. Je suis sûr que cette histoire de tigre, c'est que
dans son appartement, il y a un tigre et donc il fallait regarder le tigre. How's it going, kid? Ah! Anything new on Dan's death? Toi, tu m'as l'air très bizarre. Well, you know you can count on me if you need any help. Je sais pas t'es qui. Merci Tarek. Don't worry about it. Good luck, Kim. Really hope you make it. Ouais ouais. C'est ça. Le mec, il a pas l'air trop suspect déjà. Bon. J'étais un peu grillé Tarek. Ouais ouais ça va attendre. Je vais d'abord aller chez Dan. Appartement de Den. Ça sent le traquenard cette histoire là, j'aime pas ça du tout. Je commence à trouver des choses et puis il se passe des trucs alors ça m'énerve. Du coup, je vais pas y aller. Ha ! Qu'est-ce que tu dis, ça ? Puis bon, je veux dire, si elle crève... Tant pis, hein. On a déjà baisé. Oh. Non, pff, c'est nul. Oh, fait chier, je peux pas y aller. Télis m'a demandé de la retrouver. Mais j'ai pas envie. Appartement de Kyle. Ça sent le piège, j'ai pas envie. Ah non, merde, j'ai pas ma clé. Oh, fais chier. Mais j'ai pas besoin de ma clé. Je suis con, c'est chez moi. Rejoins-moi tout de suite sur le toit. Fais vite, mon amour. Mouais. Ça pue du sgeg pour autant. Mais hein. Enfin bon. Bref. Oh là là, elle est toute griffonnée. Donc elle m'a laissé un message et puis voilà quoi. Télis, que s'est-il passé? Oh, I was so scared. A demon came here looking for you. He was really angry. He said he wanted your soul. Come here, please. Hold me in your arms. Je suis obligé parce que... Enfin, je veux dire... Ça sent le traquenard quand même, quoi. Bon. Ah bah là, j'ai plus envie, du coup. Thank you.
Tiens, prends ça, vite vilain. Bon bah voilà, ça c'est fait. Bon bah y'a plus de Télis. J'ai des anneaux par contre. Ah ouais, 9 énergies, putain. M'a gravement pété la gueule quand même. Ouais. C'est... Donc il y a des démons. Ok. Tout va bien. J'ai couché avec ce truc. Ouais, c'est... Ouais. Bah, je vais péter la gueule aussi. Hein. Puis, non, à l'époque, c'était peut-être pas un truc. Va savoir. Qui es-tu ? My name doesn't matter. I had you brought here because I have something important to tell you. Parle, je t'écoute. I have come to warn you that your life is in terrible danger. Oui, bah j'avais cru remarquer. Merci pour l'info. Quelle importance si je meurs ? Tout ça n'est qu'un jeu vidéo. You're wrong. The universe is just as real as yours. I know you're playing a video game in another dimension far away from here. Ah. But what you experience here is no game. It's reality. Our reality. And you risk your life every second. Pourquoi est-ce que je risque ma vie dans Omicron ? The demons are looking for you. They want your soul. You've already escaped from them several times. They're mad with rage. Que se passerait-il si un démon prenait mon âme ? You would be damned for all eternity. In your dimension, your body would be no more than an empty shell. Ça explique Julien Chies du coup. An Astaroth's reservoir of souls, enduring infinite torment. Que dois-je faire pour sauver mon âme ? Finir le jeu ? First thing to do is to destroy the gate the demons created between your dimension and ours. Otherwise, more players will fall for the trap as you did, and the demon will become so powerful that no one will be able to stop them. Que dois-je faire pour détruire la porte ? Astaroth put one of his lieutenants in charge of the gate. You will have to kill the guardian to destroy it. Le cerbère de la porte ? Gandar is the guardian of the gate. D'accord. Gandar, c'est le chef de la police, quoi. Que dois-je faire ? You can access the gate through Gandar's office. Ah. You'll need a power rod to destroy it. It's power rod. Way to annihilate a demon's work. Le bureau de Gandar est bien gardé. Comment pourrais-je y accéder ? Où trouverais-je ce bâton de pouvoir ? A Yeshu monk awaits you in front of the supermarket in zone 9. Show him the sign of the awakened and he will lead you to someone who can help you. Oh là là. Le bureau de Gandar est bien gardé. Comment pourrais-je y accéder ? You can access the gate through Gandar's office. You'll need a power rod to destroy it. It's the only way. Le seul moyen d'accéder au bureau de Gandar est de passer par les conduits d'aération dans la salle de ventilation et le centre de sécurité. Pourquoi me dire tout ça ? Dans quel camp es-tu ? Pourquoi m'avoir choisi moi ? Ouais, c'est vrai ça. Pourquoi moi ? Pourquoi moi ? You are also the only soul from another dimension to have survived in our universe. Ah bah, ça explique aussi pourquoi le jeu s'est pas vendu. Pourquoi te ferais-je confiance ? I can't tell you anymore for the moment. You must trust me. You have no choice in the matter. Unless you want to burn in hell. Ouh là là. Est-ce que j'aurais besoin d'autre chose que du bâton de pouvoir ? To get into Gandar's lair, you must first know the door code. Gandar was careless enough to leave it at the scene of one of his murders. Anissa found it. You absolutely must get your hands on the code. Ah, c'est ça, d'accord. Bah, je l'ai le code. Du coup, c'est le code de la porte, quoi. Bon, ben voilà. Tout, 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 tout.
Bon, je vais quand même aller à l'appartement de Den, je suis sûr que je vais y trouver des choses. Oh bah ça va, c'était pas très loin. L'appartement de Den est dans un sale état. Ouh la vache! Ah ouais, d'accord. Ouais, ça craint en fait. Ouais. Quoi? Pas bah, quoi? Je crois qu'il y a eu bagarre. Il y a eu bagarre. Un sandwich de coupé. Alors, est-ce que si je mange un sandwich, est-ce que je récupère de l'énergie? Ah ouais, 10. Bon, c'est un peu pourri. Et lui, il a pas de placard dans sa cuisine. Ah si. Du Quanta Cola. Au véritable déchets radioactifs de synthèse. C'est vide, bah oui. Ok, donc lui aussi il avait un truc d'entraînement. Omicron News. Oui Zengarv, ben bonne nuit. Moi je vais pas tarder de toute façon maintenant que... Enfin il faut juste que j'aille voir deux trucs. Deux dangereux individus ont tenté de s'introduire par la faction dans Jompu ont été abattus aujourd'hui par les mécagars de la patrouille 72. Interdit le déplacement des individus en dehors de la zone d'habitation qui aurait été attribué tout manquement. Cette règle est passible de la peine de mort. Ah ouais d'accord, t'as pas le droit de te balader. Une fuite dans le dôme qui recouvre Omicron a nécessité l'intervention d'une équipe de maintenance dans la zone 12. Depuis hier matin la fuite a été réparée en quelques heures. Donc il y a un dôme qui déclenchera une averse de 15 minutes à la 10e heure. Ah d'accord, donc ils contrôlent tout les mecs, la météo, le... Photo de mariage de Den. Mariage Den Melia, 9 ans d'art, 7 de 13. Là, c'est les cabinets. Je sais pas pour vous, mais pour moi, comme d'habitude, le mystère s'épaissit. Il s'épaissit tellement que... Bientôt... C'est fermé. Attends, il dit que derrière le tigre... Et la c'est un manque cracra. Ah bah, c'est pas ça le tigre. Un tableau représentant un tigre des neiges. Un terminal transcan. D'accord, tu pousses la statue du tigre et derrière... Ah, ok, il y avait un truc. Attends, j'ai juste vérifié quelque chose avant. J'avais acheté un transcan.
si je pourrais le mettre après. Bon, ça me semble un petit peu logique, mais bon. Allez. Plan de Den. Mon sneak est plein. Ah merde. Bah la photo de... Bon, le message de Teddy, j'en ai plus besoin. Je vais virer quelques trucs. Le Weaver, j'en ai pas. Photo de mariage, on s'en fout. Le micro news, on s'en fout. Le message de Télis, on s'en fout. Le message griffonné, on s'en fout. La carte de visite, je m'en fous maintenant. Ouais. Ah si, c'est bon. Ah, d'accord. On peut écouter les chansons en fait en les achetant. Ah, c'est pas mal. Alors. D'accord. He'll testify in our favor. May the Supreme Being have pity on our souls. Ok. Le Tarek 511, en fait. Et ouais. Angels took to flight, transformed into fierce beasts, and fell upon their prey. Mais je t'avais dit que je te dirais tout, Tarek. Poignant message before dying. So nice of you to bring back the cassette for me. I do so hate leaving traces behind. C'est toi qui as tué Anissa. She saw a demon. She had to die. If you hadn't been so lucky, the same thing would have happened to you. Tu as aussi tué Den. You're smarter than you look, but maybe just a little too smart. You were becoming an embarrassment. You even had the guts to enter Gandar's lair. My master ordered me to take your souls. Que s'est-il passé? After his death, Kale's body was sent into another dimension to track the soul of a video game player. Your soul. A video game player. One of my guards was supposed to collect it as soon as it returned to Omicron, but you escaped. Now the time has come to correct that little error. Tu veux dire que Omicron n'est pas juste un jeu? Non, mais il y a quelqu'un qui vient de me l'expliquer. Do I look like a game? Everything you see around you is real. Your
computer is just a gateway to our world. Your body is still in your world, but your soul has been here ever since you agreed to occupy Kale's body. You think you're safe behind your computer screen? You better think again. I will take your soul. You will die and be damned for all eternity. Come, little human. Come and play with me. D'accord. Bagarre. 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 On se bat en avant-plan. L'avantage, c'est que comme c'est un jeu vidéo, ben on peut tricher en fait avec le jeu. Voilà, ça c'est fait, ça je lui ai pété la gueule, on pourra pas dire que j'étais pas prévenu. Bon, voilà voilà. Oui, c'est des cassettes du futur, j'ai pas eu le temps de réagir mon petit Randall. Ce sont effectivement des cassettes du futur. C'est fermé. Ouais, mais je peux pas ouvrir... Hein ? Bon, je ne peux pas ouvrir ce truc. Il doit bien y avoir quelque chose quelque part qui permette de l'ouvrir. Attends, je trouve un truc par terre là. Ah non, c'était juste le décor. Bon, eh ben, il va me falloir le bâton de pouvoir là, donc faut que j'aille devant le supermarché. Mais vraiment quoi, le cheapos bagarre quoi. En fait, si t'essaies de te battre vraiment. Bah tu crèves en fait. Voilà, donc faut tricher en fait avec le système et faire genre je te fais des balayettes et puis c'est fini quoi. C'est complètement nawak. Bon, allons voir le gars du supermarché. Pardon, cette histoire commence à puer du cul. Ah mais oui, c'était le clodo en fait. Le mec était devant le supermarché. Ah bah non. C'est pas le même supermarché. Oui, alors il y a un mec bizarre là, à moitié à poil, donc ça doit être lui. Un moine Yeshu. Yeshu. Ah bah oui, ce truc là, bah oui, le talisman, évidemment. Mais il se déplace super vite pour un mec en jupe. Oh là là, et où je suis ? Dans un coin étrange. Oh là là, c'est bizarre. Ça ne vole pas les chaises. Vous m'avez l'air d'être un beau mystique, monsieur. Un coupi géant. Stranger, I've got a good thing on sale, stranger. Pourquoi m'appelles-tu étranger, vieil homme? I feel that you're not from hereabouts. You come from far away. Far, far away. Although your physical body is close. D'accord. Je cherche un... Tu vends des bâtons de la mort. Un bâton de pouvoir.
As-tu un bâton de pouvoir, oui ou non ? It's not that simple. It's easy to make a power rod if you know the art. What's difficult to find is what gives it its power. Its energy. Qu'est-ce que c'est ? Le mec a une map sur la tronche. Ouais. Mais non, c'est, il a trop joué à Mini Metro et du coup ça lui a. Ah bah ça tombe bien, j'en ai trouvé un sous un ongle. Tiens. Oh, si je te le disais, tu me croirais pas. Yes, I believe this will do. All I have to do is put it inside. Now your power rod is ready for use. Comment s'en sert-on ? Merci pour ton aide. Ok, j'ai trouvé le bâton de pouvoir. Je vois pas quoi faire avec ça. Oui, c'est vrai que... On dirait la momie d'un être vaguement humanoïde. Donc là, il y a des petits anneaux volants pour faire des sauvegardes. Eh ben, on y va. Donc il y a une espèce de boutique un peu paumée dans le fond d'un truc, là. Faut la trouver, faut la trouver. Alors, le centre de sécurité, maintenant. Accès sorcellerie. Ah bah c'était l'autre côté. Bon, bon je vais appeler un truc. Mais ça ne vole pas les chaises. Poupoulou poulou. Bah, c'est un peu dommage que les trucs soient un peu éventés assez rapidement, mais bon, d'un autre côté, ça reste un jeu vidéo. Hein. Ah, tu crois que c'est un jeu vidéo, mais ce n'est pas du tout un jeu vidéo. Par contre, on réagit exactement comme dans un jeu vidéo. D'accord. Puis on peut se faire stunlocker aussi. Non, ça, c'est très très jeu vidéo. Je te fous des petits coups de pied par terre. Tu ne peux rien faire. Alors... Bureau du commandant Gandalf. Oui ben je veux bien mais les ascenseurs se sont fermés. Alors il m'a dit quoi ? Salle des aérateurs. Oula. j'ai déchargé la salle. Ok, donc je suis à la salle des aérateurs. Thank you.
Elles ont l'air un peu... Ah, mais oui, c'est vrai. Et voilà. Ha ! Fastoche. Clic. Ouais, ok. Donc j'ai ouvert la fenêtre là. J'entends un vomissement surprenant de l'autre côté. C'est fermé. Ah oui, c'est vrai, on peut nager. Oh putain, la nage. Bon, il y a un passage par là. Ça, c'est pas Tomb Raider, la nage. Câble électrique, super pratique. Ok, donc j'ai trouvé un câble électrique. Que vais-je en faire maintenant? Et maintenant... Ça ne marche pas. Ah, mais si, il y avait pas une armoire électrique là-haut. Bah, on va utiliser le câble électrique sur l'armoire électrique. Ah bah, j'ai tout cassé. Porte ouverte. Tintalalain. Quelles énigmes incroyables. Je me sens tout incroyabilisé. Bon, ceci dit, chaque pièce du putain de commissariat aurait été utile. Hein. La 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 la. Bon alors, le plan de Den, c'était quoi? D'accord, à droite. Mais quelle merde! Putain! Gloop, gloop. Gloop, gloop, je suis un poisson. Ce passage pourrait tellement être dans un générique du hardcoreur, quoi. C'est l'heure du saut de la mort.
Ces textures ne me disent rien qui vaille. Ah, bah, y a un point de sauvegarde ici. Ce qui tombe très bien. Parce que... Oh, d'accord, ok, c'est... Bon, bah tant pis.